son. Faccio la moriella. Saint-Flour-Schotzeig, la gare qui nous relie à la cité thermale. Le train de jour venant de Neussargues a pris les voyageurs arrivant de Paris. Le train montant de Béziers entre en gare. Le car pour Schotzeig. Et notre petit car va nous conduire à travers la Planèse jusqu'au cœur du Caldagues. Le château d'Éternes. La truyère que nous allons traverser. Thank you.
L'enfant du Caldagues, Pierre Chassan, a écrit un livre fort documenté sur son pays d'origine. Grâce à lui, nous découvrirons cette singulière cité connue depuis la lointaine Antiquité. À 750 mètres d'altitude, près du Rouergue et du Gévaudan, au pied de l'Aubrac, elle est à 32 km de Saint-Flour. Dominée par le château du Coufour, ne possédant plus qu'une seule des 7 tours initiales, le châtelain était co-seigneur de Chotzaigue avec celui de Saint-Ursise, puis celui de Montvala. Dévastée par les Anglais en 1377, prise par les Huguenots en 1574, longtemps tiraillée entre le Languedoc et la couronne de France, située sur la rive gauche du Romontalou, affluent de la Truyère, chef-lieu de canton, Chotzaigue doit sa renommée, comme son nom, à la trentaine de sources d'eau chaude jaillies des entrailles de la terre à plus de 4000 mètres de profondeur, ce qui représente l'équivalent calorique annuel de la combustion d'une forêt de 500 hectares. Voici l'hôpital hospice qui fut dirigé naguère par les sœurs de la Présentation de Marie de Bourg-Saint-Andéol. Et en face, la chapelle des pénitents blancs, dit de Notre-Dame du Gonfalon, fondée en 1520. La cité thermale a une hôtellerie digne de sa réputation et fort appréciée des curistes. Construite en un point culminant, fin 14e, début 15e, l'église paroissiale de style gothique primitif est un édifice de vastes proportions. En entrant,
Saint-Jacques nous accueille. Stall du XVIe siècle. Le lutrin et le maître-autel sont l'œuvre du sculpteur Roche, enfant du pays. La Sainte Cène, sculptée sur la porte du tabernacle, a beaucoup de cachets. Comme pour promouvoir l'union entre l'Orient et l'Occident, cette église est placée sous le double patronage de Saint Martin et de Saint Blaise. À proximité du chœur, la représentation de Notre-Dame du Gonfalon. Et celle de Sainte-Anne. Un bien curieux béniquier de pierre avec, sculpté dans le pied, l'image du chef des apôtres. Ne terminons pas notre visite sans admirer la Pietà de l'école de Ligier-Richier et un chemin de croix moderne. À l'entrée de la ville, sur la route de Saint-Flour, la chapelle de Notre-Dame de Pitié, bâtie sur l'emplacement du château des seigneurs de Saint-Ursyse, suzerain de Schotzheim. Restaurée au XIXe siècle et consacrée par Monseigneur de Pompignac en 1861. Les boiseries de l'autel sont aussi du sculpteur Roche, avec leur scène biblique. Le couronnement de la Pietà eut lieu en 1879. Une statue antérieure à celle-ci aurait été découverte au four des Angles, ou grotte des Anglais, dans le rocher basaltique, support de la chapelle. La ville était entourée de remparts et possédait des portes sur lesquelles on remarquait des statues de saints dans des niches. Ces précieux trésors sont désormais la propriété des différents quartiers de la ville. Guidés par M. Boyer, nous allons les découvrir. Statues conservées dans le faubourg Saint-Julien. Au-dessus du porche de la place du marché, l'Annonciation. Saint Jean-Baptiste dit le riche parce que bien habillé. Allons voir aussi le pauvre sur le côté nord de la place. Des abeilles ont élu domicile comme pour rappeler que le précurseur se nourrissait de miel. Il passa si les Il passa si les enfants.
Joseph et l'Assomption, rue Notre-Dame d'Oute. Saint-Roch, dans le quartier du presbytère. Il se souvient de son amour, alléluia. Il se souvient de son amour, alléluia, alléluia. Et enfin, Saint-Jacques, en son oratoire, le long de l'ancienne route vers Compostelle. Envers son peuple bien-aimé, alléluia. Le tableau de Notre-Dame de la Bonne Mort. La place du marché, au centre de la cité, d'où nous montons à la célèbre source du Par, la plus abondante et la plus chaude, qui alimente l'établissement thermal dont le député maire va nous parler, ainsi que de la cité qu'il administre. Docteur Reynal, vous êtes à l'origine du renouveau de Chaudes-Aigues. Pourriez-vous nous parler de votre action dans cette rénovation? Et nous vous en remercions d'avance. Je suis un optimiste de nature. Je suis en effet conseiller général du canton de Chaudes-Aigues depuis bientôt 39 ans, bientôt 35 ans maire de Chaudes-Aigues, et j'ai pensé qu'il fallait absolument baser le développement de Chaudes-Aigues sur l'établissement thermal et les retombées économiques qu'on peut en attendre. C'est ce qui a été fait, ayant eu l'occasion et ayant eu la chance surtout de connaître M. et Mme Virolo, les directeurs de l'établissement thermal, que par nature vous connaissez bien aussi, ont été extrêmement soucieux aussi de ce développement de Chaudes-Aigues, extrêmement compréhensifs dans les accords que nous avons dû passer ensemble pour réaliser la société d'économie mixte, la société thermale de Chaudes-Aigues, qui a permis la réalisation d'investissements importants en 1964, une première étape extrêmement importante, capitale, qui a permis un développement important de la station. Et nous avons dû ensuite, lorsque les amortissements étaient terminés, procéder à une deuxième étape, ce qui a été fait en 1984. Et la société d'économie mixte a donc là réalisé un hôtel thermal moderne, de capacité importante, et qui est doté des installations tout à fait actuel des techniques de cure. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants dans l'avenir de Chaudes-Aigues. Je crois que beaucoup de personnes y ont contribué. Le conseil municipal, votre famille, j'en ai parlé, mais aussi la population qui a bien accepté ce qui a été fait. Eh bien, Chaudes-Aigues est sur la bonne voie. Cela continuera. Nul n'est irremplaçable. Mais il y aura toujours des hommes et des femmes dans ce pays pour vouloir le développement et un avenir serein pour nos populations, en tout cas un avenir de progrès. Regardez-nous un peu, mademoiselle la réceptionnaire, là. Regardez un peu vers nous, là, oui. Voilà. Allez, Sylvie. Chacun prend son travail, moi je veux bien me mettre là-bas s'il faut.
non, là, c'est pas un problème. Et ici, vous avez des noirs à 28 degrés, et également des douches sous-marines. Alors, c'est l'équipe de matériel qui a été installée en 1980 et qui a fait place à une rénovation complète des anciennes cabines de bain. Ça nous permet, bien entendu, de donner des traitements beaucoup plus modernes et beaucoup plus adaptés à l'époque actuelle. Alors ici, vous avez la démonstration de la marche de l'appareil. L'aérobain, nous envoyons de l'air au fond de la baignoire et cela provoque un massage hydrique grâce à un groupe électropompe qui se trouve en tête de baignoire. Avec une possibilité de traitement de base et qui caractérise Schoenzeig, si vous avez ici sur la rue gauche les salles de... Voilà, ici la douche G est la première opération de notre traitement. La durée est de 3 minutes et la température de l'eau est de l'ordre de 36 à 37 degrés. Ici vous voyez quelque chose qui est très spécifique à Schoenzeig, il s'agit de l'étude générale. C'est une cabine dans laquelle on fait monter la température à 45, 50, 60 degrés grâce à un ruissellement sur la paroi. Ici, vous voyez une piscine de mobilisation type Leroy qui a été mise en place en 1964. Actuellement, elle n'est pas remplissable. On l'a rempli à une température de l'ordre de 36 à 37 degrés. L'application réelle de la géothermie. On utilise bien entendu les calories de l'eau thermale pour réchauffer d'une part les salles de traitement et aussi la partie hôtelière. Et vous voyez sur la droite des jets. Ceux-ci ne pouvant fonctionner bien sûr que lorsque la piscine est complètement pleine. À proximité de la piscine, vous avez une salle de gymnastique avec quelques appareils qui sont à disposition à la fois du touriste mais aussi du touriste de passage. Alors ici c'est la cafeterie donc, de notre nouvel hôtel qui est en fonctionnement depuis 1980. Devisé dans la grande salle de conférence, jouer aux cartes ou se chauffer au soleil ne suffit pas à occuper les loisirs des curistes qui aiment aussi aller faire des achats en ville. Pratiquer le sport, participer à des randonnées pédestres aller voir des films parfois aussi ils s'inscrivent pour des circuits touristiques leur permettant par exemple de découvrir le grandiose cirque de Malé. La construction du barrage de Grandval a complètement modifié l'aspect de ce site autrefois si sauvage.
Le viaduc de Garabit. Le faubourg Sainte-Christine. Et les orgues basaltiques de Saint-Flour. Et tandis que ces curistes auront laissé leur lancinante douleur à Schotzeig, ils en emporteront une foule de bien belles images et la joie d'amitié nouvelle.